Cette flamme de l'intérieur comme ça vous vient d'où? Parce qu'on sait tous, bon, que vous avez commencé à partir de rien, finalement, une empreinte de 1500 $ que vous avez fait à votre mère quand vous étiez tout jeune. Mon père avait été un homme riche, mon père avait tout perdu et j'avais donc besoin de me prouver à moi que j'étais capable de faire mieux que mon père et d'une certaine façon de le venger. Un peu plus haut. J'ai eu cet avantage d'avoir une mère extraordinaire. Je veux aller un peu plus loin. Et qui m'a inculqué, je dirais, une seule chose, de jouer pour gagner. De mon bras. J'ai toujours été sûr que je gagnerais. Les gens me disent souvent, mais toi, t'as été chanceux. Oui, c'est vrai que j'étais chanceux. J'ai été chanceux parce que tout le monde est chanceux. Il y a ceux qui choisissent leur chance et qui la saisissent. Puis il y a ceux qui la laissent passer. Si j'avais les ailes d'un homme. Pierre Péladeau fonde le Journal du Québec en 1967. Son objectif était de faire de son nouveau quotidien rien de moins que le numéro 1 à Québec. En 2000, 33 ans après sa fondation, le Journal de Québec devient le quotidien numéro 1 de la capitale et le demeure encore à ce jour. Voilà, c'est comme ça qu'on fait l'édite. Bang! Je vous copie. Tu te parles quoi? C'est parce que je t'aime. Si je t'aimais pas, je ne parlerais pas fort. Voilà, c'est, je suis plein d'amour, je transmets mon amour du lundi matin, voilà. Encore une fois, comme disent les Américains, kiss! Keep it simple, stupid! Comme on dit encore à New York, you can't fool everybody every day. Tomorrow is another day. Oui. Voilà. Tout homme d'affaires qui bâtit une entreprise crée, et à partir du moment où il crée, il est un artiste. J'ai du succès dans mes affaires. La succession va venir de l'intérieur, donc ce serait un Péladeau qui va prendre la succession de Pierre Péladeau. Ah, ça serait un Péladeau si les Péladeaux sont bons. Or, en principe, les Péladeaux sont pas pires. Alors, on verra comment est-ce qu'on fonctionne. Les Québécois, on était une des premières entreprises au Québec à avoir une femme sur notre conseil d'administration, qui est Mme Claire Léger. Il y a une chose qui compte, il y a une seule chose qui compte, c'est le public. C'est le public qui décide. C'est un visionnaire extraordinaire. On dirait qu'il pouvait prédire d'avance ce qui va se passer dans 3 semaines, 4 semaines. C'est un gars qui arrivait à faire avec les gens des choses qu'eux-mêmes ne s'imaginaient pas qu'ils pouvaient réaliser. Ce qui m'intéresse chez un être humain, chez un individu, c'est quelque chose dans les tripes. L'important, c'était de bâtir, c'était de créer quelque chose. Je pense avoir prouvé à plein du monde que les Québécois, on n'est pas tous des cadres. On est capable de faire quelque chose de gros, mais quand même, quelque chose qui marche.